fin de compte, je crois que je sais fort bien d'où il me vient ce cheveu gris. Je suis même persuadé de l'avoir ramené d'une odyssée à travers l'administration et je pense que j'ai ramené non seulement ce cheveu gris, mais également la chanson qui va suivre de ces chemins épineux et sinueux que j'ai parcourus pendant pas mal de temps. Et cette chanson a de commun avec les démarches administratives qu'elle est extrêmement épuisante, qu'elle coûte beaucoup de souffle et d'énergie. Et c'est pour ça que je vous demanderai de m'accorder un petit entracte après pour me remettre mes émotions. J'alice l'administration, me semblait sans enchantement, ce qui ne tenait qu'au fait que je manquais d'entraînement. Aujourd'hui je suis chez moi dans tous les services publics et je me balade sûr de moi sur la voie hiérarchique. Et ceci depuis qu'un très officiel office exigeait par lettre recommandée, veuillez envoyer sans délai un formulaire demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire dont copie conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. Jusqu'à ce jour-là, j'ignorais que cette chose existait, mais qui avouerait cela? Par conséquent, je ramassais mes papiers que je garde dans un vieux carton en cachette, permis de pêche, contravention et ancienne vignette. Muni de ces documents, je choisissais à la mairie une porte à pile ou face. Bonjour, auriez-vous ici un formulaire demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire dont copie conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. Ah, disait l'homme au bureau, tout ce que vous voulez, bien sûr, mais je ne suis que le remplaçant de l'employé en cure. Moi, je pourrais vous remettre à la rigueur le dépliant. Comment maigrir en 3 jours tout en mangeant normalement? Mais allez voir le gardien, paraît qu'il connaît la maison. Et c'est ce que je faisais. Dites, monsieur, où trouve-t-on un questionnaire formulant la copie du demandeur avec mentions inutiles? Attendez, une erreur. Sur la nécessité de la formulaire. Non, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, vous ne savez pas où il y en a. Désolé, vous faites fausse route ici, mon brave monsieur. Faut aller rue Jean Jaurès à création de contentieux, au cercle consultatif du comité des imprimés. Mais faudrait se grouiller un peu parce qu'à 2 heures, ça va fermer. Alors là, vous dites un petit bonjour au concierge de ma part, qu'il vous envoie au bureau 110, et ils en ont plein l'armoire. Des formulaires demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire dont copie conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. Le 110, vous plaisantez, me dit le concierge songeur. Ils essaient depuis 2 mois de se mettre sur ordinateur. Quant au guichet de section qui doit accueillir les urgences, c'est fermé, car le mardi, l'adjoint du chef part en avance. Madame Ginette était en stage, et Monsieur Paul fête son jubilé. Y a plus qu'à voir aux archives, peut-être bien qui voudront vous donner un formulaire demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire dont copie conforme confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire. Frappais, j'entrais et je sentais un violent tic nerveux. Une dame sirotait un café sans lever les yeux. Puis elle prit un tricot, moi je souriais bêtement. Elle se faisait les ongles et arrosait un cactus répugnant. Je chuchotais, auriez-vous? Puis je hurlais les larmes aux yeux, me roulais par terre en bavant et en tambourinant. Je veux mon formulaire, demande l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise de formulaire. Donc copie conforme, et merde alors espèce de verrue, mettez-vous vos formulaires où vous voulez, n'en parlons plus.
je rampais jusqu'au couloir et m'effondrais en sanglotant. Mais un garçon de bureau m'allongea délicatement sur ses dossiers et me consola en poussant son chariot. Roulons vite chez l'infirmière, elle va guérir le gros bobo. Attendez un petit instant, faut tout juste que je distribue le paquet de formulaires, vous êtes couché dessus. Voyez ce tas de paperasse poussiéreuse, ça va être envoyé à l'office des bureaux, ils vont mettre ça au pilon ou les petits chapeaux, ils vont s'en faire les petits bateaux. Et vous, si ça peut vous être utile comme brouillon, allez-y, servez-vous, ça peut toujours aller comme au verso, c'est ces trucs totalement superflus. Comment ils appellent ça? Ah oui, le formulaire demandant l'obtention du questionnaire sur la nécessité de la remise d'un formulaire. Donc, en pique conforme, confirme que le destinataire a rayé les mentions inutiles de la circulaire.